Lorsque l'icône de la musique gabonaise Pierre Claver Akenenge se produit en live à Port-Gentil, c'est d'abord le fils prodige qui revient à la maison. La place Joseph Renjambe s'y collant à souhait, c'est comme un seul homme que les Port-Gentillais ont fait du concert offert par le président Oligui Nguema, un karaoké à ciel ouvert. La première partie assurée par les prestations de plusieurs artistes locaux a pu garder le public à cran. La capitale économique gabonaise avait longtemps eu une aussi belle brochette d'artistes, un pur mélange d'anciens et de récents succès. Le gros lot fut un Pierre Claver Akenenge au top de sa forme. L'homme âgé de 81 ans et assis sur une des carrières musicales les plus prolifiques d'Afrique a su trouver les notes pour que vibre le carrefour Château. Morceau choisi. In fine, c'est entre des ballades poétiquement engagées et des mises en avant des symboles de la tradition gabonaise que les Port-Gentillais ont bouclé la série des manifestations liées à la célébration de la Journée nationale de la libération.